Grâce éternelle, parce que nous avons demandé une faveur, bon Dieu, ben nous avons déjà salué la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la métropole, Sainte-Lucie, et en passant pour nous saluer les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Alors, côté Guadeloupe, nous avons dit, pasteur Rodrigue, levez, le temps du réveil de la prospérité. Qui a trouvé quoi solidarité à scolaire. La salle solidarité scolaire la Jaï à Bémao. Voilà. Demain matin à 9h, Guada. Mi adresse là, Gabon. Eh bien, nous savons que les boiteux marchent, les aveugles voient. Bon Dieu, Zabon, un message. Et bon matin, on peut tenir ce message là concernant sa bon Dieu, Lébanon. Alléluia. Martinique. Oh, côté cette puce, il passe l'Esra. Nous allons saluer, nous allons dire un bel alléluia. God bless you. Côté la Guyane, je suis un serviteur qui ici à l'Amérique, à Ripati. Je salue la Guyane, je dis tout, ça a tout fait. Est-ce que tout là, on tibi? Alléluia. Et puis côté Martinique, ça vous fait mal. Côté Guadeloupe, c'est quand vous fait mal. Côté Martinique, ça vous fait. Bonne nouvelle, autres, restez branchés. Savez que je vous aime. Parce que nous, sans l'amour, nous ne pouvons pas mener le combat là. Et puis, je veux bénir aussi ce matin le directeur de Zouk Télévision. Et m'a dit, restez béni, restez en bas bénédiction. Afin que l'entreprise a toujours été bénie. Les techniciens étaient bénis parce que c'est sans la bénédiction de Dieu, vous savez qui s'agit la carte nous, la malédiction. Alors, si pas tenir la malédiction, peut-être qu'il y a la bénédiction. Yes. Et si pas tenir la mort, peut-être qu'il y a la résurrection. Et si pas tenir la maladie, pas tenir la guérison. Alors, bon matin, c'est ça, nous avons commencé. Et puis, bon matin, nous avons salué, nous avons donné un bel alléluia. Nous avons venu, nous avons commencé par les salutations, parce que nous avons l'homme de Dieu avec nous ce matin sur le plateau. Ben, quelque chose qu'on a commencé hier soir, ben là c'était « good is good ». C'était s'asseoir pour bien comprendre la parole afin de te mettre debout. Et quand tu te mettras debout, tu pourras marcher. Et après, quand tu pourras marcher, tu pourras courir. Amen. Et prends la direction de Jésus. Amen. Que Dieu amen, nous bénisse. Alors, serviteur, c'est toi. Tu peux faire les salutations et puis tu vas revenir tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. C'est Valérie Nabi. Je viens du Canada. Pour ceux qui ne savent pas, puis je veux remercier Pasteur Alain pour l'invitation pour l'église, le temps du réveil, une église extraordinaire où des gens sont transformés, des vies sont touchées, transformées. Avec mon épouse, nous sommes les leaders du ministère, ce que Christ a fait, que vous retrouverez sur Facebook ou sur notre site internet www.cequechristafait.com. Donc, je vous invite à aller visiter. Vous avez les salutations du Québec au Canada. Il y a toute une église là-bas qui bénit la Martinique, la Guadeloupe et tous ces pays qui ont été cités. Et on est content. C'est un privilège pour nous d'être là. Alors, salutations dans le nom de Jésus. Alléluia, il revient tout à l'heure. Passez le bien, ça vous fait. Alléluia, ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, je salue tout le monde, quel que soit là où vous vous trouvez. Vous êtes bénis par cette émission. Que la grâce, la paix de Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin soit répandue sur vous, sur votre famille et là où vous habitez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bon matin, nous allons commencer. Le titre de mon message, c'est le nom de Jésus dans ton combat. Amen. Mais quand même ça, ou peut-être que ça a utilisé le nom de Jésus, ou pas un enfant de Dieu. Parce que le nom de Jésus, c'est pour les enfants de Dieu. Le nom de Jésus, pas moun qui a dominé, qui a ça dans la religion, moun qui a accepté Jésus. Quand tu l'acceptes,
tu vas comprendre, parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, dans ton combat, mettez le nom de Jésus en ligne. Amen. Et tu seras plus que vainqueur par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il te dit qu'il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus en bas ciel là, par lequel nous devons être sauvés. Alors, c'est pourquoi ce matin, dans ton combat, utilise le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et personne, quand tu utilises le nom de Jésus, quand tu as Jésus, personne ne peut que mettre, peut venir, permettre, mettre un arrêt à un plan bon Dieu à dans la vie. Alléluia. Dans le plan de Dieu, personne ne peut venir déranger le plan de Dieu dans ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Que pour la victoire nous va aller. Amen, amen. Matthieu 6, verset 10. Oui. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mm-hmm. Donc c'est le Notre Père. Hein? Alléluia. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous invoquez le règne de Dieu, à quel moment vous invoquez le règne de Dieu? C'est là que vous comprenez. Parce que là, nous, de la religion, on nous fait comprendre de faire le Notre Père, et puis on rabâche le Notre Père comme un perroquet sans rien comprendre. Mais aujourd'hui, quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que le règne de Dieu, quand tu appelles le règne de Dieu, mais Seigneur, me voici, que le règne de Dieu puisse venir nettoyer ma maison, me nettoyer, Seigneur, me faire comprendre, ouvre mon intelligence, pourquoi pas non? Et puis, afin que je puisse faire ta volonté sur la terre. Amen. C'est pas la volonté. La volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu, Dieu dit, ma volonté, je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ta volonté, mon ami, afin que tu puisses faire la volonté de Dieu, afin que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et que l'autre qui te regarde et voit que c'est la volonté de Dieu que tu essaies de faire. Amen. Sur la terre, afin que tu sois représentant de Dieu sur la terre. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. C'est vrai. Afin de te donner cette envie de venir et de vivre ce que nous vivons. Amen. Si ouais, nous sommes nous des chrétiens rabâchés à terre, à croiser, bah, on peut les venir. Mais là, ouais, nous sommes dégagés en baillant, puis c'est sans joie. Quoi, nous pouvons dire, mais regarde un homme que je connaissais dans la rue, clochard qui passe, qui a pointé les poubelles. Et aujourd'hui, que tu regardes un homme qui prêche l'évangile pour toi, amen, ça va te donner cette envie de venir voir ce que, quel Dieu que nous servons. Amen. Et j'aime Dieu. Alléluia. C'est pour ça que mon Dieu est bon. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce matin, je veux te dire ça, mon ami. Où tu nous as là, Romains 14, verset 17, et puis j'arrête. C'est pour te dire, mon ami, tu vas voir quelque chose dans la Bible ce matin que tu vas comprendre. Et tu vas voir, la religion et la relation, c'est deux choses tout à fait différentes. Amen. La religion, c'est le boire et le manger. Ouais. Et la relation, c'est de te mettre en règle avec la parole de Dieu. Amen. Que Amen. Tu rentres en relation selon l'obéissance de la parole de Dieu. Mm-hmm. À nous aller. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ouais, ce n'est pas le manger, le boire. Est-ce que tu vois, quand on baptise nos bébés ici, c'est le boire et le manger, hein? Quand nous amenons, nous faisons la première communion, c'est le boire et le manger, hein? Nous avons dit que c'est bah, bon Dieu, mais si tu sortis de l'église, là, c'est musique qui là, c'est zouk qui a tombé, parrain qui a dansé, marraine qui a voué, quoi, monté, champagne qui a tombé, cabrit qui a mangé. Ben, comme ça, jusqu'à 12 ans, quoi, virer, mener, même en bien installé. Et après, même en bien installé, quoi, la guerre à la Oulib. Quoi, quitter, il fait sa affaire, après, là, il fait deuxième communion, il doit pas caler ou pas obligé. Parce qu'il n'y a rien qui t'ébéi. C'était le boire et le manger, et il a bien mangé, il a bien boire, il choua bien boire, bien manger, il y a l'eau toilette, il a oublié sa net. Mais par contre, quand tu manges la parole de Dieu, quand tu mets la justice de Dieu devant. Le Saint-Esprit t'attire vers cette parole. Alléluia. Vous comprenez ça? Il dit, c'est pas le boire et le manger, mais qui ça? Mais la justice, la paix. Premièrement, la justice. La paix. Deuxièmement, la paix. La joie. Troisièmement, la joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu.
Mes frères, c'est monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Mais tout comme ça, il faut qu'on sorte un baba état parce qu'il y a un temps qui poche là. Que le Seigneur a interpellé le monde entier. La Pâque finit passer. Ce n'est pas la fête des Juifs, c'était la fête de l'humanité. Amen. Fête des enfants de Dieu. On a compris aujourd'hui, mi code la vie, non. C'est pas. Tu as le code de la route, mais ça, c'est code la vie des hommes. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Et je veux te dire quelque chose. Quand j'ai trouvé le livre qu'il me fallait, je connais l'auteur, il a mis sa loi dans mon cœur. Amen. Que Dieu t'a béni. Et puis, nous avons fini. Bon, et tout le programme, là, nous n'avons pour pas arrêter la même manière. Là. Je dis, ah, c'est fini. Pas crier pour dire, je souffre, je suis malade, je suis angoissé. On a la solution pour toi. Le solutionneur est sur le plateau avec nous. Alléluia. Jésus-Christ en mitant. Alléluia. Alors, serviteur, je te laisse. Amen, amen. Alors, merci Pasteur Alain. Tu as parlé de, il faut être un enfant de Dieu. Et quand on devient un enfant de Dieu, on devient un bien-aimé. Alléluia. De Dieu. C'est pas juste aimer, tu es un bien-aimé de Dieu. Et on va lire 3 Jean 1, 2 dans la parole. Et ça va être un souhait d'un homme à son fils spirituel. Mais c'est aussi le souhait de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen. C'est le souhait de Dieu pour toi, oui. 3 Jean 1, verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et le mot le plus important, le lien de tout ça, c'est comme. Comme prospère. Donc, il est en train de dire, de la même façon que ton âme prospère, tu prospéreras comme ça. Alléluia. Donc, il dit, je ne veux pas seulement que tu prospères financièrement, que tu prospères au niveau de la famille. Je veux aussi que tu sois en bonne santé. Et plusieurs ne sont pas en bonne santé. Mais le lien ici, il dit comme. Il dit, si ton âme n'est pas en santé, ton corps ne sera pas en santé. Ouais. Dieu nous a fait, nous sommes esprit, âme et corps. Ce n'est pas juste le corps pour manger, il y a aussi l'âme. Et le combat, le danger est dans notre âme. Notre âme est composée de la pensée, de la volonté, et des sentiments. Et c'est très, très important que nos pensées, que nos sentiments, que nos émotions soient tous en santé. C'est ça qui détermine le corps. Et aujourd'hui, plusieurs maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques, c'est des maladies de l'âme. Quelqu'un est angoissé, puis il développe une maladie. Quelqu'un vit du stress, puis il développe une maladie. Puis je vais parler de 3 choses pour lesquelles notre âme ne prospère pas et qui donne la maladie. Et pendant que je parle et donne les solutions, avant même qu'on prie pour les gens, les gens, quand ils vont comprendre ça, leur corps sera guéri. Aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Avant même qu'on ait prié quoi que ce soit. Vous savez, Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est un médicament pour le corps, pour la santé du corps. Et quand on prend la parole et qu'on s'en nourrit, notre âme, notre esprit, notre corps sont régénérés. Alléluia, restaurés. Sont restaurés. Alléluia. Et la première chose pour laquelle j'aimerais qu'on réalise, qui fait du tort à notre âme, c'est le manque de pardon. Alléluia. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Et plusieurs personnes ne veulent pas pardonner parce qu'ils pensent que le pardon, c'est une question de sentiment. Le pardon, c'est une décision. Amen. Tu peux sentir mal, mais tu décides de parler. Dieu nous a
tant aimé, il nous a pardonné, pas parce qu'on était bon ou que parce que c'était bien ce qu'on a fait, mais il a décidé. Et plusieurs personnes sont malades dans leur corps par le manque de pardon. Mm-hmm. Les médecins, les spécialistes disent ça, qu'une personne qui ne pardonne pas est souvent enclin à tomber malade. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message et décides de pardonner et de relâcher, vous savez, quelqu'un a dit que la clé du pardon se trouve dans la deuxième syllabe, don. Le pardon, c'est un don que tu fais à quelqu'un. Tu devais faire payer la personne, mais tu dis non. Parce que Dieu demande, je te fais un don. Et si quelqu'un décide de faire un don aujourd'hui à quelqu'un, de pardonner, de relâcher, je proclame que son corps reçoit la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu reçois la guérison où tu es. Donc, le pardon. Je vais juste raconter une histoire en quelques secondes. La puissance du pardon. Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui avait son fils qu'il aimait bien. Et son fils est sorti une fois à l'arrêt d'autobus. Il a été frappé par des brigands. On l'a amené à l'hôpital. Il était tellement fini qu'il ne pouvait plus bouger son corps. Il était presque mort. Et sans savoir, le pasteur a développé de l'amertume dans son cœur contre les voleurs qu'ils n'ont jamais vus. Il venait, il continuait le ministère, il travaillait. Et un jour, alors qu'il était à l'église en train de prêcher, le Saint-Esprit lui dit, « Tu sais, il faut que tu pardonnes ceux qui ont fait du mal à ton fils. » Puis il dit, « C'est très difficile, mais je vais aller demander à mon fils qui est à l'hôpital. » Et son fils ne pouvait pas bouger, il pouvait juste bouger la main comme ça. Puis il arrive à l'hôpital sur le lieu où son fils était, puis il lui dit, « Fils, Dieu m'a dit de pardonner ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont mis dans cet état. Si tu es d'accord avec moi, bouge ta main. Si tu n'es pas d'accord, ne fais rien. » Et quand il a fini de faire ça, son fils a bougé la main comme ça pour lui dire, « Pardonne-leur, papa. » Et il a dit, « Seigneur, je décide, j'ai encore mal, de relâcher ces gens. » Quand il a fini de faire cette prière, la présence de Dieu est descendue dans la salle d'hôpital. Il est rentré dans la salle, il a commencé à bouger. Son fils qui ne pouvait pas bouger a commencé à bouger son corps. Il s'est levé et il a été complètement guéri. Alléluia. Amen. Gloire amen, à Dieu. Amen. La puissance du pardon. Alléluia. Parce que quand on pardonne, on fait comme Dieu. Dieu nous a aimés, il a pardonné. Il nous a relâchés. Et plusieurs, et je crois qu'il y a des gens en ce moment, quand vous décidez de dire « je pardonne », il y a des hypertensions qui disparaissent maintenant, amen, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui vivaient avec des problèmes cardiaques. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Parce que tu décides de pardonner. Mm-hmm. Il y a des maladies, des choses qui partent parce que en décidant de pardonner, tu fais prospérer ton âme. Alléluia. Et parce que ton âme prospère, ton corps aussi prospère. Prospère. La deuxième chose, très dangereuse, qui fait qu'on est malade souvent, c'est la culpabilité. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Et le diable vient des fois pour nous condamner. Et ça a été prouvé. Quand tu te culpabilises, comme il n'y a personne pour te faire du mal, tu es en train de te dire à ton corps, fais quelque chose pour me punir pour ce que j'ai fait. Et le corps comprend. Et le corps développe des cellules qu'on appelle du cancer. Et c'est comme ça que des fois, des gens développent des cancers parce qu'ils se culpabilisent. Un cancer, c'est les cellules du corps qui sont normales, qui deviennent folles, qui décident d'attaquer le propre corps. Et quand tu te culpabilises, tu dis au corps, j'ai fait tellement mal. Fais quelque chose pour me punir. Et le corps dit, ok, j'ai compris, je vais faire quelque chose pour te punir. C'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Et c'est comme ça que des maladies sont développées et les gens meurent. Mais je veux proclamer ce soir que, parce que pasteur Alain a dit, on peut venir à Jésus, à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Et parce que tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Et parce qu'il n'y a plus de condamnation, tu n'es plus dans la culpabilité. Peu importe ce que tu as fait,
Jésus, quand tu viens à lui, il te pardonne, il te libère, il enlève la culpabilité. Un voleur sur la croix qui avait tant fait de mal, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Puis Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. Aujourd'hui, toi aussi, parce que tu reçois Jésus, la culpabilité part et tu es libre. Et ton corps, que tu sentais mal, il y a des gens, peut-être quelqu'un qui m'écoute en ce moment, à cause de la culpabilité, tu as des douleurs aux pieds, tes pieds fourmillent. Tu peux pas, quand tu déposes tes pieds, ça fourmille, ça te fait mal. Mais parce que la culpabilité qui te quitte, tes pieds redeviennent normaux au nom de Jésus. Donc je proclame que tu reçois la guérison, tes pieds sont restaurés, la culpabilité part au nom de Jésus. Et je termine avec ça, le troisième point, le stress. Alléluia. Nous vivons dans un monde stressé. Il y a tellement de choses qui nous font stresser. Et quand on est stressé comme ça, notre corps réagit. C'est aussi prouvé scientifiquement que le stress, des gens qui sont stressés, constamment stressés, ils réduisent leur durée de vie. Mais nous, nous avons la paix de Jésus. Amen, amen. Nous avons la joie de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Et je veux proclamer aujourd'hui que alors que tu lui confies tous tes soucis, tous tes problèmes, lui, il prend soin de toi. Et ton stress le quitte. Des gens qui nous écoutent en ce moment, qui avaient des boules au ventre, ces boules-là les quittent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ils reçoivent leur restauration et leur guérison dans le nom de Jésus. Pasteur, allez, je te repasse la parole pour maintenant. Alléluia, c'est vrai, parce que effectivement, le manque de pardon, ça bloque beaucoup de maladies. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions, mais pourquoi je suis malade? Ça fait des années que même dans l'église, il y a des gens qui sont là, mais qui sont retenus par des malades. Pourquoi? Parce par des maladies, parce qu'ils retiennent encore des gens dans leur cœur et refusent de pardonner. Et tu as donné la solution, c'est il faut pardonner. Il faut libérer le pardon. Il ne faut pas garder rancune, parce que ça endurcit aussi le cœur. C'est vrai. Celui qui refuse de pardonner, eh bien, son cœur est endurci. Il y a même, j'ai connu même des gens qui sont dans le ministère, mais qui ont du mal à pardonner, qui sont endurcis. Même leur manière de prêcher, leur manière de c'est faire, vrai. On sent qu'il y a la colère, on sent qu'il y a la haine, on sent qu'il y a l'endurcissement, parce qu'il y a un manque de pardon. Et des gens souffrent à cause de ça. Parce que lorsque quelqu'un ne pardonne pas, cela se ressent aussi. C'est vrai. Lorsqu'on écoute cette personne, on ressent qu'il y a un manque de pardon là. Oui. Et pour le verset que le pasteur a pris, le verset de Romains 14, verset 17, il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions le servir avec joie, dans la paix et dans la justice. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous puissions le servir dans la haine, dans l'endurcissement, dans le manque de pardon. Et lorsque nous pardonnons simplement de tout notre cœur, eh bien, nous allons nous aimer, nous supporter, nous allons nous faire du bien en parole comme en action, et notre âme sera en bonne santé. Amen. Et un verset souvent que le pasteur prend, et lorsqu'il dit que ce sera un rafraîchissement pour tes os, garde ton cœur. C'est vrai. Voilà, il aime beaucoup ce verset-là. C'est dans le livre de Proverbes. Voilà. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Ce sera un rafraîchissement pour tes os, voilà, la santé pour tes muscles. Mais c'est vrai. C'est ça, mais la Jésus, parole de Dieu. Dieu même nous a dit que tout est accompli. Alléluia. Dans le combat, il a déjà tout fait, il a gagné. Alléluia. Tout est accompli. Et aujourd'hui, nous voyons tellement le peuple souffrir pour ne pas venir à Christ. Pourtant, la solution, c'est Jésus. Il est le solutionneur. Il n'a pas la solution pour toi, mais il est la solution. Amen. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu? C'est ça. Et en venant à Jésus, Jésus-Christ te pardonne. C'est vrai. Jésus-Christ te pardonne. Et Jésus-Christ met l'amour de Dieu en toi, qui te permet aussi de pardonner. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc celui qui vient à Jésus, déjà, il est pardonné. Oui. Et Dieu met en lui l'amour pour être capable de pardonner aussi. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Et regarde le verset que tu as lu de Pasteur Alain au début, Matthieu 6.
Matthieu 6, qui est le Notre Père. Ouais. Voilà, que ton règne vienne. Et ça dit, pardonne-nous nos offenses. Comme. Le mot comme encore. Ouais. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais. Et ça dit après, si vous pardonnez aux autres vos offenses, il vous sera pardonné. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, vous ne serez pas pardonné non plus. Voilà, exactement. Qui peut vivre sans le pardon de Dieu? Bien sûr. Et pourtant, quand nous n'avons pas la connaissance, on passe sur le pardon. Et pourtant, nous faisons, nous faisons le pardon, le Notre Père, souvent. Voilà. Exact. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare dans sa parole, c'est manque de connaissance que mon peuple périt. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous interpellons, parce que mon Dieu fait une promesse. Mon Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. C'est vrai. Et je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Mais regarde, pourquoi tu... C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mon frère, ma soeur, appelle la personne là que tu as un problème avec lui. C'est quand tu vas le libérer, toi, le Seigneur va te libérer. C'est vrai. Alléluia, alléluia. C'est une question de décision. Prends ta décision ce matin. Enlève l'orgueil en toi. L'orgueil, c'est pas bah, bon Dieu qui l'a tiré sans dire, pour dire, ah non, je ne vais pas ni t'appeler mon nom. Non, prends ta décision là ce matin. Si tu as entendu l'homme de Dieu parler, tu as dit le pardon, le stress, l'angoisse, tristesse, toute bagaille. Eh bien, des bagailles de l'esprit qui est là, et c'est manque de pardon qui empêche de libérer. Alors, libère-toi ce matin. Mm-hmm. Ne reste pas fermé à la maison comme ça. Demain matin, à 8h30, tu te lèves et tu viens à Rivière Blanche. On va t'aider à le faire. Et puis là, on finit pour Martinique à 8h30. Et puis la Guadeloupe, à 9h. C'est la solidarité scolaire. La solidarité scolaire à la Jaï, à Bémao. Mm-hmm. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? Pas arrêter quand vous fermez comme ça en bas un matelas qui a mouillé et puis un lolam. Et puis qui a fait et champignon. Et pourquoi vous tâchez que sortir en bas angoissé. Mais je dis à le Seigneur, quand vous lève-toi et puis viens. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Mm. Je te donnerai du repos. Le pardon, c'est une puissance de Dieu. Amen. Libère-toi, mon ami, ce matin. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a... Qui ça, ou quoi, qui t'a tchébo, là? Et puis, ou quoi, pas orgueil, parce que mon date fait moins ça, mon date fait moins ça. Non! Lâche tout. Lâche tout et pardonne à celui qui t'a, même qui t'a offensé. C'est vrai, c'est ça. Et tu verras la gloire de Dieu, parce que quand tu vas pardonner cette personne, le Seigneur va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Jésus à la croix va dire quoi? Oui. Alors qu'on l'a crucifié, on lui a fait du mal. Il dit, Père, pardonne-le. Oui. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. C'est la personne qui t'a fait du tort qui a besoin plus que toi. Ouais. Donc lâche-la, libère-la. C'est ça, voilà. Et même si tu as encore mal, pardonne, Dieu va guérir ton cœur. N'attends pas que ton cœur soit guéri pour pardonner. Pardonne parce que c'est un acte de foi. Et je crois que plusieurs doivent peut-être envoyer un texto, appeler quelqu'un, juste dire « je prends la décision de te pardonner ». Alléluia. C'est de l'humilité. Exactement. C'est de l'humilité. Pour faire ça, il faut résister à l'orgueil. Parce que celui qui est orgueilleux refuse de pardonner et refuse de se réconcilier aussi. C'est vrai. Donc, tant que la personne est orgueilleuse, elle va pas se voir prendre son téléphone pour pouvoir faire ça. Et dans l'humilité, Dieu libère aussi. C'est vrai. Donc, il faut s'humilier pour pouvoir faire cette démarche-là. Mais tant qu'on veut rester sur sa position, c'est moi qui ai raison, et bien à ce moment-là... Mais pour que notre âme soit en bonne santé, il faut pardonner. C'est vrai. Alléluia, voilà. Nous avons un téléphone. Hein? Nous avons un. C'est où? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je demande pour Marie Norel, pour sa santé. Pour Marie Norel. Pour sa santé, pour Marie Norel. Marie Norel, d'accord. Tu nous appelles de Martinique ou de la Guadeloupe? Guadeloupe. D'accord. Guada. Attendu, merci pour l'appel. Ok. Au revoir. Oui. Wow. Merci. Nous avons notre appel. Pas raccroché, nous avons notre appel.
Nous avons dit, alléluia. Oui, on t'écoute. Gloire à Dieu, alléluia. C'est où? Alléluia. On peut passer au suivant. Si eh bien, ouais. Nous avons l'autre appel. C'est où, nous avons dit? Oui, c'est où? Allô? Oui. Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je vous écoute là avec beaucoup d'attention. Oui. Mon mari est très malade. Il a la maladie de Parkinson et il ne voit pas. Nous prions, mais ça ne suffit pas. Je voudrais que vous deux, vous priez pour lui aussi. Oui, son prénom. Si c'est possible. Donne-nous son prénom. Georges. Et tu nous appelles d'où? De la Guadeloupe. D'accord. D'accord. Moi, c'est Odette. D'accord, Georges et Odette. Ouais. Et tout est possible à celui qui croit, parce que tu as dit si c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que nous prions beaucoup, mais je ne vois pas que sa santé s'améliore. D'accord. Mais ça va s'améliorer. Croyez au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Amen. Soyez bénis. Dieu veut faire. Alléluia. Nous avons notre appel. Nous avons notre appel. Gloire à Dieu, c'est où? Allô? Oui, c'est allez-y, où? Allez-y, parlez. Oui, c'est Ozalie. Ozalie. Oui. Oui. Vous rappelez oui, c'est Ozalie. C'est vous rappelez de qui côté? Oui, c'est pour prier pour la voix. Ouais, pour la santé. Qui côté vous rappelez nous? Goman. Alors, quittez ce cadeau-là. On y s'invite à qui là demain matin, dimanche matin à 8h30. Venez parce que sans problème. Ou quoi est-il l'esprit ne peut pas jouer bien en créature de Dieu. D'accord. On dit l'esprit en quoi ça capable. Vini, l'éternel garde, venez à moi, vous qui êtes chargé, fatigué, manquez bon repos. Des fois, on se comprend ou pas comprendre qui mène pour tirer ça. Et les serviteurs de Dieu là, c'est pour nous expliquer et puis aide à faire ça et puis à pourquoi pour la route. D'accord. D'accord. À 8h30 demain, si Dieu veut. Nous avons notre appel. D'accord. Nous avons l'autre appel. Nous avons l'autre. Bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. 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 Pasteur Alain, je vais vous confier, mais on va faire l'objet, on va tout faire avec. L'objet, on va faire la garçon, on va tout faire. Ah, prénom, le prénom. Qui prénom? Cécile et Christian. Cécile et Christian. Cécile et Christian. Ça, c'est Guadeloupe qui est là, Guada. Oui, oui, Guadeloupe. Ouais, pas de problème. Ma bonne adresse à vous demain matin pour aller faire un rond là. Ouais. Oui. Ouais. D'accord, merci pour l'appel. C'est la jaille. La jaille. Solidarité scolaire. La salle solidarité scolaire. Solidarité scolaire. Oui. Voilà. Allez. Ok. Au revoir. Okay, wow. Nous avons notre appel. Nous avons tout. Allô, oui, bonjour. Je m'appelle Marie. Oui, ma. J'appelle de la Martinique, hein. Oui, ma. Pour savoir si vous pouvez prier pour moi pour la tête, la santé. D'accord. Tu souffres avec ta tête. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tu as entendu ce que le serviteur de Dieu a prêché là ce matin. Alors, si tu n'es pas trop loin de Rivière Blanche demain matin à 8h30. D'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Merci. Très béni. Merci. Alléluia. Nous avons notre appel. Alléluia, nous gagotons. Allez-y, parlez. Vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, allez-y, parlez. Bonjour. Bonjour, pasteur Alain. Bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, maman, c'est pour prier pour moi, pour la santé. Je suis à Saint-Martin. Saint-Martin, d'accord. Ton prénom, votre prénom? Z-E-D-T-E. Comment? Z-E-D-T-E. Vet. D'accord, Vet. Ok, d'accord, j'ai compris, Vet. Z-E-D-T-I. Voilà, Z-E-D-T-I. Ok, c'est bon, j'ai compris, oui. Merci beaucoup. Zep, tu as un pile d'appli là? Oui. Bon, nous allons prier pour vos diables et temps aussi. Il dit nous qu'on a regardé même l'appli là. Oui. Alléluia. Amen. Que vous avez venu? Nous avons un autre appel. Oui, nous avons un autre. Oui, allô? Oui. Allô, Alain, bonjour. Bonjour. Je vous ai tout dit à ce plateau. Oui, alléluia. Oui, c'est Joseph, oui. Ouais,
maintenant, pour moi, moi, on va gagner un Bible là. Il m'a dit, moi, il dit, bah, j'entends. Ouais, alors là, ça arrive d'où, Timothée. Ouais. En Timothée, puisque moi, j'ai fait des vies, moi, j'entends. Oui. En Timothée, moi, j'ai ouais, les droits de la femme. Alors, je veux aussi que la, les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modeste. Ouais. Ne se parent ni tresse, ni d'eau, ni pelle, ni habillement somptueux. Habillement somptueux, c'est pas habillement qui va coûter cher. Ouais. Mais qu'elle se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ouais. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ouais. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ouais. Ma parole est de l'instant, car Adam a été formé le premier. Alors, alors, qui c'est? Et ma parole est qu'on ait qu'elles autres, afin de nier le détente. C'est mon nom pas qu'à suivre ni des bagailles pour apprendre la Bible, mais ni des bagailles pour apprendre. Alors, parce alors, faut d'accord. Bon, quittez-moi, on va. Attends, mais quittez-moi, mais attends. Où dit, où nous, attends, nous coûtons, nous coûtons, mais regardez, nous coûtons, mais écoutez-nous, puisque nous n'avons pas un bulletin. Faut qu'on sache qui ça qui veut dire prédication et enseignement. Mettez qu'on bien les bailleurs là, puisque le premier monde qui allait prêcher les, qui prêcher dans la ville de la Samarie, c'est un prostitué. Mais enseignement et puis prédication, frère, on ne peut pas empêcher madame d'évangéliser. Ça n'est pas possible. Oh, ça, et nous tuons pour ça. Mais enseigner, il faut qu'on sache l'enseignement et puis la prédication qui sont à Tenada. Et puis, habillement sanctué, on va parler là. Frère, on ne peut pas demander à un monde de Jodia, virer, venir, marrer tête libre, barrer, brin. Non. Ça, c'est l'esprit bon Dieu qui a mené madame là, les Adam pour dimension, il est mené là. Mais nous, nous avons fait ça assez longtemps. La religion a mené nous à Debaïta assez longtemps. Jodia a quitté ce monde dans la relation. Et puis, pense à Icadi, et puis, signe un bail qui a dérangé, gardez yo wakou. Et puis il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit qui a utilisé qui mounile l'esprit de Dieu, c'est pas seulement dit dans nommé, le Saint-Esprit aussi est dans l'homme, le Saint-Esprit dans la femme, et là le Saint-Esprit qui a bâti don, c'est pas un homme seulement qui a bâti don, le Saint-Esprit qui a bâti tout le monde don, parce que la parole dit que dans les derniers temps je répondrai de mon esprit sur toute chair. Paul a dit ça. Vos fils et vos voilà, filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc voilà, donc l'esprit bon Dieu qui a utilisé n'importe qui monde pour faire volonté bon Dieu, pour qu'un message de l'évangile passe. D'accord. Et aussi au sujet des vêtements, au goût ça, il y a le monde qui a marré tête yo, qui a mis au roi genou yo, bien en roi chivi yo, mais yo ni tchèyo mauvais, tchèyo qu'on roche, yo endurci, yo ni méchanceté. Ça, c'est l'apparence de la piété. Cette histoire de tête marée, le fou là, tout cela, il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, la Bible dit, mais qui renient Jésus, qui renient la foi, qui ont de la haine, de l'amertume, de la méchanceté dans leur cœur. Ça veut dire que ce n'est pas l'apparence monde pour juger eux. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît ses serviteurs et puis, aussi. Et puis, sous les vignes, et puis nous ne pouvons pas discuter ça dit dans l'église à tout le monde. Tout le monde est clair. Que mon Dieu capte nous vraiment. Et sous les demain matin à 8 heures, vignes et puis lever ça. Alléluia. Amen. Bon, nous avons notre appel. Oui. Oui, nous avons notre appel. Allez-y, parlez. Oui. Oui. Mamie Rosélène à l'appareil. Oui. D'accord, Rosélène. Mamie de loi. Oui. D'accord. Alors, Maka disait bonjour. Oui. Maka disait bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je dis mieux que d'habitude. Oui. Parce que Maka priait Dieu. Ouais. Allez. Oui, mais je te parlais très bien parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il soit en lui, soit sauvé. Et lorsque Pierre a critiqué Jésus sous le poteau de torture, Jésus l'a pardonné, il a demandé pardon trois fois. Jésus a pardonné. Alors, automatiquement, le temps que nous vivons en ce moment, vous dites le temps du réveil. Eh bien, je vous dis c'est très bien parce que vous avez vu ce qui se passe dans le monde. C'est la fin du système des choses, car tout ce qui se passe là à l'heure actuelle,
Dieu l'a mis dans la Bible pour nous. C'est à nous de le comprendre et de faire pardon aux pécheurs. Et on a le droit de pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Parce qu'il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui sera sauvé. Alors, on est des êtres humains et si Dieu a pardonné, Jésus a pardonné, nous devons pardonner et aller de l'avant. Alléluia. Et arrêter de critiquer, de faire des méchancetés les uns les autres. Amen. 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 Merci. Et puis je vous demande de prier pour moi, d'accord, mes enfants, d'accord, mes enfants, mes amis, pour la famille, mes enfants et le monde entier. D'accord. Car tu crois en lui. Amen. 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 Merci pour tout l'amour. Nous avons un dernier appel parce que les acariments les nous. Parce que nous prions parce que nous un dernier appel. Après les 100, nous appelons nous le 0696 92 48 80. Mais après l'émission, que Dieu te bénisse. Oui, nous avons un allô? Oui. C'est Julien, je vais prier pour moi, pour la santé. D'accord, Julien. Voilà. Pour la santé. D'accord. Alléluia. Et bon, okay, bon. Un dernier, nous avons un dernier. Ouais, de... Nous avons un dernier. Nous avons un. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est où? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Paulette du Lorrain. J'appelle pour. Oui, j'appelle pour ma santé. Je souffre au genou et puis au dos. D'accord, Paulette. D'accord. Alors, voilà. Je voulais qu'on prie pour moi. Jésus est vivant. Jésus est avec nous. Amen. Avec alléluia. Toi. Au nom de Jésus, prie pour moi. D'accord, Paulette. Ok. Eh bien, laissez-moi nous appeler nous les 92 48 80. Alors, demain. Alléluia. On va prier pour toi. Et demain matin à 8h30, avec le serviteur Nabil, venez, viens et vois ce que le Seigneur est capable de faire pour toi. Alléluia. Et puis à Nivet, serviteur Rodrigue, à la Jaille, solidarité à la salle solidarité scolaire à Bémao, la Jaille, 9h, en Guadeloupe, 8h30 Martinique. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pasteur Louis Jésus. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Mon Dieu. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour tout ce qui a été dit sur ce plateau, mon Dieu. Merci pour les âmes qui ont été bénies aussi par ta parole, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu. Nous nous accordons maintenant, Seigneur, pour prier pour tous ceux qui ont appelé, Seigneur, pour Marie Norel, mon Dieu, pour sa santé, pour Georges, mon Dieu, ainsi que vraiment, Seigneur, mon Dieu, pour Georges, pour Rosalie, mon Dieu, pour Cécile et Christian, mon Dieu, et pour Odile, mon Dieu, pour Marie, pour sa santé, pour Zette aussi, pour sa santé, pour Rose-Hélène, pour Julien, pour aussi Paulette, mon Dieu, tous ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu appeler, mais qui regardent dans cette émission. Seigneur, je m'accorde avec tes serviteurs, mon Dieu, avec l'onction, la puissance de Saint-Esprit, et nous te demandons d'agir maintenant, Seigneur, de répandre ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui sont là en train de regarder cette émission, Seigneur, que la puissance de guérison puisse les toucher maintenant même. Seigneur Jésus, touche-les maintenant par ton Esprit Saint, par ton onction, quel que soit là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant votre guérison. Soyez guéris maintenant, soyez délivrés. Quelle que soit votre maladie, vous êtes délivrés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les maladies puissent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que votre âme soit maintenant consolée. Que votre âme soit restaurée. Que votre âme soit bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon, l'amour de Dieu puisse entrer et demeurer dans votre cœur, dans votre âme et que vous soyez en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je veux juste demander à ceux qui ne pouvaient pas faire quelque chose de commencer voilà, à faire. Exactement. Si vous aviez mal et vous ne pouviez pas, essayez. Par faites quelque foi, chose voilà, par la foi. Foi faites par quelque la chose. Foi. Exactement. Et voilà. Donnez-nous témoignage. Exactement. Alléluia. Et bien nous gardons demain si Dieu veut à 8h10. Que vous venez nous témoignage. Que bon Dieu voilà, voilà. Nous. Et nous arrivons à Adam. Oui, c'est bon. C'était le temps du réveil. Oui. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen, alléluia. Amen, alors amen, demain matin avec le serviteur Nabil, venez. Alléluia. Emmène quelqu'un avec toi. Un monde malade, un monde angoissé, un monde attristé, un monde qui n'a le stress. Menez-y. Et puis, qui peut témoigner ça qui fait au nom de Jésus. Amen, de amen. 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 Grâce éternelle. Grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'Éternel.
Ajouti moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'y me qu'aime, moi pense au moins pas arriver. Allez, je dis à moi comment d'elle, anti-faveur pour